activité normale. Merci, vous pouvez reprendre une activité normale. Merci pour ce petit morceau d'Anthologie. Je sais pas si on a entendu la musique, mais en tout cas, Always the Sun, grand morceau des années 80. Ça nous rajeunit tous. La cuisine méditerranéenne, on est parti. Allez, c'est parti. Courgette feta aujourd'hui avec Carole Cooking, Carole Jézéquiel. Ça va, Carole? Ça va un peu essoufflé. Un peu essoufflé, oui. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû vous faire danser, vous, hein, parce que Priscilla, elle a gardé son souffle, mais vous n'avez pas parlé, vous, Priscilla, je comprends pas. Alors, donc, on va faire aujourd'hui des courgettes. Des courgettes à l'honneur. Ouais, mais vous m'avez dit que vous aviez déjeuné, petit déjeuner non, ce matin avec ça. Plaisanterie. Ah bon, d'accord. Non, non. Mais la courgette, en fait, c'est le légume indispensable en Provence. Hein. On a nos producteurs qui fournissent des courgettes d'avril jusqu'à des fois mi-novembre, quand l'arrière-saison est belle. Et donc, c'est tellement facile à cuisiner, tellement bon pour la santé. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de courgettes grillées au four, mais que l'on va déguster froide pour accompagner nos barbecues, les viandes, les poissons, les buffets froids. Ça va être très rafraîchissant. C'est un côté pratique parce qu'effectivement, on les prépare avant que les amis arrivent. Et on le sait, au barbecue, généralement, on a plein de gens dans le jardin, on a envie d'en profiter. C'est ça. Et bien là, on a l'accompagnement qui est déjà prêt. Exactement. Alors j'ai amené sur toujours les ingrédients. Donc évidemment, les courgettes, volontairement, je les ai choisies un peu large, de grosses courgettes, ça sera plus facile pour la recette. Et pour agrémenter, ben, y a un petit peu de feta. Donc là, on essaye d'éviter la feta industrielle. La feta grecque, il y a un AOP qui existe et aujourd'hui, on la trouve vraiment partout. Ça a quand même une texture et un goût bien meilleur. Oui. Voilà. Ensuite, je vais utiliser aussi les feta. Ensuite, je vais utiliser quelques olives noires. Alors, de notre région, là, ce sont des olives de Nyons. On peut prendre aussi des petites olives de Nice. Mm-hmm. Là, on va choisir des olives de qualité de chez nous. On va mettre un petit peu. Et ensuite, eh bien, il y a les herbes que j'ai ramassées dans mon jardin ce matin. J'ai la chance d'avoir de la menthe, du persil, de la ciboulette. C'est la saison maintenant où ça pousse, hein, il pleut en ce moment. Je goûte le persil. Donc, eh bien, si on peut avoir les trois, pour la recette, c'est parfait, ou une des trois. Et puis là, je n'ai pas amené, mais il faut bien sûr de l'huile d'olive de chez nous, du poivre du Moulin et du piment d'Espelette. Ah oui, j'allais oublier, bien sûr, Eric. Oui. Ces graines de tournesol. Oui, alors, parce que depuis tout à l'heure, je goûte ça, moi, c'est très. Alors, ces graines de tournesol, j'ai une petite astuce. Ouais. Je les fais torréfier à la poêle, à sec. Que je mets dans des petits bocaux, je les range au réfrigérateur et je les utilise pour agrémenter mes salades. Même une salade verte, j'en mets un petit peu et ça donne un petit croquant. C'est beaucoup moins cher que les pignons et je vous assure, c'est délicieux une fois torréfié. C'est très bon. Voilà. On peut les garder longtemps une fois qu'elles sont torréfiées au réfrigérateur. Au réfrigérateur, comme ça, ça ne rancit pas et on les garde plusieurs mois. On y va pour le tour de main. Allez, le tour de main avec quelques astuces. Vous allez voir, c'est une recette très, très, très facile. Et comme souvent, vite faite. Voilà, vite faite. Donc, ma première astuce pour faire griller les courgettes au four, eh bien, c'est que je vais les trancher dans le sens de la longueur. Oui. Et je vais faire des tranches bien épaisses pour qu'elles se tiennent à la cuisson et qu'elles évitent de se ratatiner, parce qu'on va faire une cuisson assez forte. Voilà, donc ensuite, on va les disposer côte à côte sans les chevaucher sur une plaque, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel. Et c'est parti donc, pour une cuisson à peu près, je dirais 15 minutes devrait suffire à four chaud pour colorer ces courgettes. Voilà, dès qu'on voit que les courgettes commencent à colorer comme ça. Huile et sel, simplement. Ça, un tout petit peu d'huile, un petit peu de sel. Quand elles ont coloré, on les fait refroidir avant de les disposer dans un joli plat. Et puis là, on va les agrémenter. Alors d'abord, un peu de feta. Donc moi, je les miette bien avec les doigts. Je trouve que c'est plus simple. Mm-hmm. Et là, par contre, on va généreusement ajouter de l'huile d'olive, du poivre du Moulin, si on aime, du piment. Et puis alors, si on a les trois herbes, la menthe, le persil et la ciboulette, on va les ciseler le plus finement possible. Ça, c'est important. D'accord. Et puis, j'ai ciselé aussi quelques olives noires. Voilà, et puis on n'oublie pas un petit peu de pignon, comme ça, pour le croquant. Et on a un plat qui est joli, en plus, plein de couleurs, facile et agréable, très rafraîchissant. Voilà, pour tout l'été. Et il est tout vert, ce plat, en plus. Oui, c'est la couleur de la Provence. Ouais, exactement, et on va se régaler avec ça. Et ça se mange froid, mais on peut le manger chaud aussi, ou pas? Non, je dirais que c'est mieux de laisser refroidir. Et comme les courgettes sont grillées, elles ont un petit goût caramélisé, et avec toutes ces herbes et tout. Non, c'est vraiment comme une entrée froide, ou... C'est parfait. Alors cette recette, comme toutes les autres de Carole, on la retrouve sur une chaîne YouTube qui est la vôtre, qui s'appelle Carole Cooking. Voilà, tous les samedis matins, une recette pour donner envie de cuisiner soi-même simplement les bonnes choses de chez nous. Voilà, simplement, sainement et souvent, ça sent bon la Méditerranée en plus. Oui. Merci beaucoup, Eric. Carole. Tiens.